ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu Thank you.
Retrouvé, aveugle.
Oh. Alléluia. Merci. Bonjour tout le monde. Nous avons quelques minutes pour nous garder de faire. Parce que nous avons commencé dans 4 minutes, cérémonie. Et nous demandons de faire une place pour nous commencer dans quelques minutes. Merci. Comment est tout le monde remplacé pour nous? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour offrir nos derniers respects à la dépouille mortelle d'un frère, d'un ami, d'un homme très sage, très humble, d'un bien-aimé. Décédé, à vous membres de la famille qui pleurait cette perte, nous présentons tout spécialement notre profonde et sincère sympathie. Que le Dieu de consolation puisse vous consoler de cette situation pénible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort. Ça avait grand pile peine, avec grand pile chagrin. Non, la matin, non, l'église porte ouverte, et l'église de la famille plaisir, de la famille innocent, toutes ces parties, non. Nous connaissons, on crie amèrement la perte de ce jeune homme, de ce grand combattant. Moi-même, tout ça fait la peine. Je l'ai vécu pendant 18 ans. Nous connaissons, M. Bonhomme, bon titan. Donc, maintenant de commencer, que bon Dieu console nous, que bon Dieu encourage nous. Et c'est lui-même seul qui a fait ça. Amis et famille réunis, comme pasteur Ricardo Isma saute rappelez nous réunis pour nous célébrer la vie dans la mort de notre ami, notre frère. Ben ça qui doit rassurer au fait que ou consoler, parce que après la vie il y a la vie. On va le dire, après la mort il y a la mort, mais après la vie il y a la vie. Parce que si c'est dans cette vie seulement que nous croyons dans bon Dieu, nous avons des gens qui sont plus malheureux, même si nous avons tout ça gagné sur la terre. C'est pour ça que nous devons bailler bon Dieu gloire dans le premier cantique que nous allons chanter avec nous. Et un chant bien connu, il y a un peu là tout. C'est grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Prosterné devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et prosterné devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père,
gloire soit à Jésus-Christ, notre sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Merci. Avec nous maintenant, révérend Enoch Cadet, dans la lecture du psaume 90. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Si vous voulez, vous pouvez se mettre debout. Hein? Ok. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu les importes. Ok, tu fais. Et la, quand 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Merci, rassoyez-vous. Donc, on va continuer à chanter en 256 français. Chant d'espérance, contemplez mon Dieu sur son trône. Son trône, vivre avec Jésus dans
ciel. J'étais à ses pieds, ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au cœur des anges, bénis, louez ma nièce, chantez à jamais ses louanges. Ange, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel, elle, c'est là le bonheur éternel. Jouis d'une paix infinie, revois les amis dans le ciel, posséder l'immortel et la vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. On s'incline pour invoquer le Seigneur. Père Saint, Père Céleste, en Jésus-Christ, nous dans lieu tristesse, nous connons remet nous. Nous connons remet famille qui est pleurée par départ jeune homme ça. Nous connaissons aimer famille plaisir. Nous connaissons aimer frère Lio. Nous connaissons aimer toutes amies qui la matin avec nous. Nous nous merci pour l'amour. Ça, un amour qui est sans limite. Un amour qui est incomparable. Nous exaltons nous. Nous beau gloire. Nous beau exaltation comme même seul mérité. Nul n'est comme toi parmi les rois de la terre. Nous connaissons aimer nous. Notre tristesse nous. Nous connons aimer nous lorsque nous avons joie. Nous connons aimer nous lorsque nous avons mort. Nous connons aimer nous dans maladie. Nous connons aimer nous dans quelque circonstance que nous avons traversé. Et pour être ça matin, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, nous implorons grâce, nous implorons présence, faveur dans le lieu de tristesse. Même Jean Jésus-Christ est arrivé et dans la situation. Lazare qui mourit déjà. Nous connaissons présence ou utile, présence ou important pour sécher de l'eau dans Jessie là yo qui a crié matin. Père Saint, dirigez ces cérémonies. Prends gloire dans ces cérémonies. Même le nous en tristesse, mais nous connaissons mérité gloire. Même le nous la peine, nous connaissons mérité gloire parce que c'est bon Dieu en longtemps passé
ou c'est bon Dieu Kounia, ou c'est bon Dieu pour tout le temps. Assiste nos Père Saint. Bénis cérémonie. Bénis chaque intervenant. Bénis famille. C'est comme ça nous prions au matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour nous continuer et avec service là. Nous attendons un chant spécial par frère Samson Virgile. Samson Virgile. Est-ce que Samson Virgile? Non. On ne l'est pas là. Samson Virgile pas là. Nous allons continuer. La donne, parce que Jésus revient bientôt, et Jésus peut s'appeler. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une blasphème, en ton bois, en ton cœur. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'enfer, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit des grâces verse en nous ton amour. Le péril augmentez-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus, notre bras. Si le péril augmentez-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus. Augmentez-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmentait, augmentez-nous la foi. Si on est nous tous qui là, nous c'est Biden, mais ça fait nous courir. Péril l'a augmenté. Nous cherchons façon pour nous quitter l'éternel. Pénétrer foi nous, pénétrer l'esprit nous, pénétrer nous-mêmes. Parce que Jean nous aime là. Depuis Olmen Vini, moi sous 21 jours de prière, moi connais. Manger, même pas manger. Moi boire, pas boire. Il y a parfois mon proche côté. Je me dis méchant, tant de chants, tant de chants. Ou bien tête au problème trop pour la vie. Tant de chants, tant de chants. Avant de te réciter, livrez-moi une parole. Si famille connaît, ça connaît, paye comme la poule. T'en prie, moi pas de travail. Si famille connaît, ni te réciter, livrez-moi une parole. Il te dit, mamie, prenez 900 dollars même que vous voulez. Si famille connaît, on a le dos ou là, paye comme la poule. T'en prie, passez comme la tête dominée. Si je dépossède, je ne vais pas me même pas posséder, je ne vais pas me comme la terre m'a dominé, le matin, le lever, ma vie, tête m'a fait mal. Je ne vais pas me mettre de l'eau. Petit peu, me de l'eau. Je m'a parlé avec lui, je pas me mettre de problème. Chaque monde qui finit pour que je travaille, pour que pour je travaille. Oui, il dit oui, mamie. Et puis ça nous fait, nous prenons. Nous comprenons la situation. Nous continuons avec le programme, nous, à la gloire de Dieu.
nous comprenons la situation. Hein? Merci, merci, merci. Merci, merci. Le pasteur Ouli va chanter avec nous à la gloire de Dieu. Moi avec Christ d'une mort volontaire. Ok? Son situation difficile, remplie de chagrin et de tristesse. Où on est fait avec ce mur? Moi, c'est pasteur famille. Enfin, pasteur famille. Et moi, je vis avec Holmans pendant mon petit temps. Je connais qu'il a peine d'amener à souffrir. Je connais qu'il a peine que le senti. Je connais situation. Je connais situation. Je connais situation. Mais courage. Courage. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu est fidèle. Il est digne de gloire. Il est digne de respect en dépit de tout. On va chanter. Moi avec Christ d'une mort volontaire. Moi avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir. Il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs s'incline mon oreille. Lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternel, je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Amen. Et en dépit de tout, nous avons besoin de compter sur bon Dieu, faire confiance. Et la mort, nous t'a dit, c'est une course. Chaque monde t'a bien arrivé en dernier. Mais les conditions, ce n'est pas nous qui fixons. Même si tu es jeune ou jeune, ou assez vieux pour mourir. Ou assez vieux pour mourir. 37 ans seulement, il pouvait bien combattre. Il était capable de lutter à la vie. Mais pas de critère l'âge, ni beauté, rien. Dès leur arrivée, nous pas capable de faire rien. Mais c'est ça qui est important. C'est que j'en vive ici bas en attendant ce jour. Tout de suite, nous va faire place à Esther Vigne, une membre famille là, qui va parler nous de Holmans dans biographie. Il va décrire nous la vie de notre frère de Fed. C'est Esther Vigne qui va gagner quoi pour partager avec nous la vie de notre frère. Bonjour tout le monde. Non pas moi, c'est Esther Vigne, innocent.
matin ça, moi j'ai un privilège partagé avec vous. Quelques informations de la violence, cousin-moi. Puis au moment, la fêlée. C'est attention, s'il vous plaît. La date qui était 7 août 1987, à mes plaisirs, petit nous, cousin nous, frère nous, Marie, nous avons pris naissance. En plus, nous, ici, là, nous avons pris les lits. Si nous, nous avons pris naissance dans la cour Torsel, quand nous avons sorti. En même, c'était le premier petit garçon, Ivan Innocent. Papa lui qui était les France plaisir. Après l'été fin prend naissance, famille ça te mettait sous terre ça deux leurs petits garçons. Petit frère lui, Marco Francisco plaisir, avec Leonardo Jacques Rose Benz. On peut nous connaître sous nom Léo. Et puis troisième petit frère lui, quelques années après, il s'est mort leur fin plaisir. Homme, c'est un combattant. C'est un petit monde qui t'a boumé à la vie depuis le fait. Pour ce qui concerne la formation académique, Holmes, il était fait toute l'école classique, li, première partie de l'école classique. Li. Primaire, il était fait li dans l'école Marguerite Dioville, quand il n'a pas passé là-dedans. Et puis, il était fait études secondaires li, dans le lycée municipal Bois Griffin. Après les fin de l'école, Armin s'est fait formation professionnelle dans l'électricité et réparation panneaux solaires. Mais Armin était surtout travail comme chauffeur privé, plusieurs personnalités dans le pays Haïti côté nous sorti. Nous tous qui là, nous connaissons Armin. Pas quoi c'est moi qui peux dire nous. Qui est qui Armin? En plus, nous avons eu la chance de reconnaître lui. Nous avons connu que Holmes, c'est un jeune garçon qui n'a jamais pour les épaules à sacrer la paresse. Il n'a jamais été sans parfum. Parce que, c'est un jeune garçon qui est toujours abgoumé. Pour le vencer. Malgré un pile coup de dit. Un pile coup de dit, il prend dans la ville. Contrairement avec moi-même, avec un pile non qu'il a, on n'a pas de chance de grandir avec parole. À seulement 14 l'année, il était perdu maman, Ivan. La vie, li, Léo, Marco, était marquée par événements tragiques. Il y en a après l'autre. Malgré ça, on n'a pas de jambon monde qui était suspendu sourire. Il n'y a pas de chambre qui n'est pas gentil, il n'y a pas de chambre qui n'est pas généré. Il était toujours serviable, il était toujours absourdi, il était toujours par le monde qui est content de l'autre côté. Toujours. Il était toujours respecté, mon sitôt. Il n'y a pas de chambre, j'aime continuer à sourire avec le monde qui est dans l'entourage. Oh, mais c'est un monde qui t'a incarné l'amour, qui t'a incarné sagesse. Bien bonheur, dans 14 l'année. À 14 ans, je me dis non, il perdit maman. Quelques années après, 5 ou 6 ans après, il perdit papa. Et depuis là, ça, jeune garçon, ça, que la vie était toujours à tracasser. Ton maman, mon papa, petit frère, lui, ça va. Et ton maman, papa, petit, avec frère, avec tonton, ma tante, lui, au grand petit monde. Mais c'est pas seulement mon grand frère, ni ton papa, ni ton maman. Il continue à goûter la vie, il continue. Je suis capable. Chaque jour plus. Mais il était toujours été mouni. Au monde qui sache, au monde qui respecte, au monde qui aime. La date qui était 22 juillet, Amen s'est choisi. Fille, tu veux faire la vie, Viviane.
22 juillet 2017. C'est là ça, il était marié. C'est là ça, il était marié. Je n'ai pas oublié, genre, mais c'était content, joue ça. Je l'étais content parce que c'était un petit garçon pour moi avec Marie. C'était un petit garçon, nous. Après 5 ans de mariage, tant qu'on nous connaît, en pile dans nos pays, il n'y a pas de petit qui vivent là-dedans. J'ai décidé à vivre au Canada, et dans la République Dominicaine. Constitution, sécurité. Il est allé là chercher un plus bon demain. Comme il était toujours inséparable avec Fred. Quelques temps après, tu fais lui rejoindre Saint-Domingue. Il continue à goumer la pensée. Je ne sais pas si je voulais rester campé, tu toujours voulu goumer avec la vie. Ton copine, non, nous, il prend route là. La Nicaragua, elle passe au Mexique. Jusqu'à ce que. La continue. Il arrive aux États-Unis. Quand tu as commencé. On l'a chapitre dans la ville. Après, pile toi la poumé. Malheureusement. 10 octobre 2024, là. L'allée. Il mourit. Je dis à nous toutes réunies pour nous souhaiter un immense plaisir et un bon traversier. Mais nous pas qu'on doit j'oublier. J'oublier qui mon était. Si you pour pile nos amis yo famille. Kou you. Ça c'est nos familles proches qui t'relé, surtout grand maman taillou. Tu connais les kou you. Nous pas qu'oublier qui modèle sagesse en même. Oh, mais c'est ton modèle sagesse. Oh, mais c'est sensible. Oh, mais c'est généreux. Il était serviable, respectueux. Il était aimé tout le monde. Il était un frère, ni ton cousin, ni ton neveu, ni ton mari, ni ton ami. Moi-même, il était cousin, il était confident. Tant qu'on m'installe sous terre ça on lumière pour tout le monde côté le passé ou pas capable connaître ou pas capable well parce que l'incarné lumière nous souhaiter que pendant la traversée la continue clairer chemin nous il pral font bons anges on croit ça parce que le ton bon monde reposer dans la paix cause pas. Merci. Nous tendez qui qualité mon Holmenstey. Il dit génie c'est toujours à l'amour qui mourit mais pas pour Holmens. C'est pas parce que le mourit nous qu'a parlé de bien de lui. Donc il est un homme de bien. L'homme dit Holmens ça qu'a fait comme ça dit ah parce où qu'on est. Dernière fois me parler avec Holmens c'était peut-être au mois de juillet, il était Orlando. Nous allons prier pour famille qui est pleurée par le départ de ce jeune homme. Coupez tête nous pour nous prier. Père Saint Jésus-Christ, nous fait de plus. Nous remercions, nous exaltons. Nous avons gloire, honneur, ou même seul mérité. Nous exaltons pour naissance jeune homme ça. Nous avons gloire pour ville pendant 37 ans. Pendant 37 ans, tu es toujours ensemble avec elle. Et jusqu'à présent, ou avec elle, parce que, ou pas quitter nous, les nous mourir, ou accompagner nous. Et c'est voilà pourquoi, malfecté, pas qu'à prendre zombie, nous, parce que toujours accompagner nous. Et en plus, il y a la vie après la mort, il y a la vie après la vie. Nous remercions, nous remercions pour toute grâce, pour toute faveur. Matin, Père Saint Jésus-Christ, maintenant, on va consoler toute famille Torsel qui endeuillé, tonton yo, Ulrich innocent qui a suivi nous, Mérès innocent, tonton, Mimose, Dieu donné, tout le monde qui dans Torsel qui a pleuré, situation difficile ça,
N'apprends au nom de Jésus-Christ, on va consoler. La sœur Myriam, la sœur Yvetaline, qui a souffri de perte sa consoler. Ben, au courage dans la situation difficile, ça. Toutes amies, Holmans, dans les Bois Griffin, dans l'école KMA, à Route Frère, qui senti au triste, Père Saint, n'apprends au comme Dieu de consolation, on va consoler. Père Saint Jésus-Christ, non seulement on va consoler si là, qui Haïti, yo. Mais nous demandons au nom de Jésus qui consoler Madame ni Viviane Pierre et Belle Mel qui t'a crié à mère des parents, jeune homme ça. Consoler la sœur Viviane, bal courage dans la situation difficile ça. Père Saint Jésus-Christ, consoler notamment la sœur Isévin Innocent, cousine ni. Le frère Dudresse, la sœur Kamel et le frère Leptune, tout tonton, tout cousin qu'il a, matin, on va consoler. Le frère Franck, on va consoler. On va faire consolation. Papa, nous qu'on a fait ça. Tout le monde qui l'a qui en est rappelé, ou c'est pour eux un refuge, un appui qui parle jamais manqué dans la détresse. Et pour des années 50, même la tête a bouleversé parce qu'on a avec nous. Ben, on parole de consolation. Ben, on mot de consolation. Et de comprendre, moun heureux, moun kap krige jodi ya, car demain, si Dieu veut, y'a consolé. Père Saint, consolé nous. Ben, nous courage. Ben, nous courage à pris des parts ce jeune homme. Ben, nous courage pour nous continuer la vie. Ben, courage à Marco Tifrel pour nous continuer la vie. Ben, courage également à Léo Tifrel pour continuer la vie. Ben courage avec cousin, cousine, yo, frère, yo, tout le monde qui est dans l'environnement, puis au combat, puis au contre-combat, puis au contre-combat, lutter dans la vie, ça. Père Saint, nous adresser au mot de consolation, ça, yo, de mot de consolation, ça, yo, au nom de Jésus-Christ, nous croyons qu'il est grand frère, nous, qui nous est co-héritier de Christ, et nous est héritier de Dieu. Père Saint, consolez-vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Comme Gaël Goudzin a déclaré, de la naissance à la mort, la vie est un voyage. One life, one travel. C'est la vie. On côté le commencer et on côté libre aller. Nous avons mon camper avec moi. Si pas grand camper chez faire ça. Bon Dieu bord des pieds, il permet tout là matin. Hein. Ne pas qu'à dire au fait que content, mais connaît que au besoin de préparer la vie après la mort. Parce qu'après la mort, gagne yon lot de là. Nous voulons chanter avec M. Cantique avant de passer pour le message. Deux créoles, mélodie. Le la vie, moi, va finir et moi, jambé, rivière. Et tout gloire pour qu'a brillé dans je lis. Aucun moi va louer ni pour les éloignes. Qui paraît pour moi yon belle place dans la vie. Pava ouéli, ma connelli. Le m'a campé bon côté Jésus-Christ. Ma va weli, ma koneli, pa ma klouyo li geye nan beli. Nan bel peyi an roa, mwen geye kek bien eme. Mwen sonje le yo te di mwen au revoi. A gran jwa yo va chante, le yo we ma perive. Avle wè sauve mwen premièrement. Ma va wè li,
m'a connu. Le m'a campé bon côté Jésus-Christ. M'a va ouéli, m'a connu. Pas ma clouille, gagné non béli. M'a pé rentré dans villa, non yon robe qui blanc et pire. Côté pape qui souffrance ni tristesse encore. M'a pé chanté à Xanjo, non yon céleste harmonie. Mais moi t'avle, ouais, sauve moi premièrement. M'a va ouais, li, m'a connu. M'a campé bon côté Jésus-Christ. M'a va ouéli, m'a connéli. Pas ma clouille, li gagné non béli. Merci, M. Chita. Dans toutes circonstances, tu connais la Bible, il y a un mot pâle pour le placer. Le livre nous a dit le plus philosophique, le plus psychologique, le plus spirituel. Avec nous, Dr. Ricardo Isma, dans le sermon de cette circonstance. Merci. Grâce et la paix soient avec vous tous. Nous lisons matin un psaume qui est très important. C'est le psaume de Moïse. C'est la prière de Moïse. C'est un psaume qui est très important parce qu'il y a une particularité. C'est le premier psaume qui est rédigé dans 150 psaumes. Et c'est également le premier livre en dans Sautier. Parce que Sautier a 5 livres. C'est le premier psaume dans le 4e livre en dans Sautier. Donc Sautier a 5 livres. Et ce 4e livre là, son psaume qui est tellement important, lui mettait en valeur, une série de principes, une série de valeurs qui transcendait temps avec circonstances. Somme mettait en contraste l'homme et Dieu. Il parlait de l'homme et il parlait de Dieu. Somme nous mettait en contraste également infini et fini. L'homme est fini. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu infini. Somme nous mettait en contraste l'éternité via la brièveté. Donc Dieu est éternel. La vie de l'homme est très éphémère. Somme nous mettait en contraste en pile bagaille qui de retenir attention nos matins, hein? Qui de retenir attention, non? Notamment la sainteté et le péché. Somme ça est tellement intéressant, son somme de méditation. D'amène-nous toujours dans toutes circonstances, et c'est égal de somme 90. Parce que vous commencez dans la contemplation, l'arrivée dans la lamentation. Il y a supplication, il y a parole de confiance également. Lorsqu'on lit psaume 90, il décrit au moins deux personnages importants. Il y a un personnage éternel et un personnage éphémère. On a regardé le personnage éternel là, dans le verset 1 et le verset 2. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que la montagne fût née et que tu aies créé la terre et le monde où c'est bon Dieu. Dans les versets 1 et 2, le psalmiste très ancien lui montrait que le Dieu que nous servons est un Dieu éternel. Il décrit par des mots qui méritent attention au matin. Il dit, monsieur, l'éternel, ça, c'est Seigneur. Et Seigneur, ça, c'est refuge pour nous. Un refuge,
c'est un droit. Lorsque vie ou menacée, ou capable de mettre à l'abri. Même j'en ai assuré, c'est-à-dire tout à l'heure, en pile de nous qui était Haïti, nous prenons refuge au Canada, nous prenons refuge aux États-Unis, parce que la caille n'est pas bon, la caille a des difficultés, la caille a des problèmes. Mais maintenant, nous sommes dit que, plus grand refuge, plus grand abri que nous avons, c'est bon Dieu. Si ou gen, quel soit le problème ou gen, tracas quoi traverser, la peine, tristesse, chagrin qu'on gagne avec départ jeune homme ça. Mabdou matin, tout le monde qui attendait, bon Dieu, c'est refuge nous. C'est refuge nous, c'est abri nous, c'est secours nous. Et bon Dieu, ça, comme refuge, on met en train de refuge ça, et c'est sûr, la consoler, la aider à monter situation difficile ça. Et dans verset 2, non seulement Moïse dit, où c'est refuge, nous, de génération en génération. De génération en génération, mes frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu te refuge, all men, et même bon Dieu ça, la refuge, Leonardo, la refuge, famille qui est pleurée par deuil, ça, la refuge, toute petite, petite, dans la famille, hein. La profusion, la aider nous, de génération en génération. Mais dans le verset 2, le texte a dit, avant montagne fait, avant créer la terre et le monde, où c'est bon Dieu. Non seulement c'est refuge nous, mais bon Dieu sali, c'est bon Dieu éternel avant le temps. Li avant le temps, li précédé temps. C'est Dieu avant le temps, c'est Dieu dans le temps et c'est Dieu après le temps. Donc il est le Dieu éternel, il est antérieur à toute bagaille. Il est antérieur à cosmos là, à la terre tout ce qui s'y trouve. Même le grand Négab dit, et bien bon Dieu crée ciel la terre, mais la parole de Dieu dit, avant que le monde soit créé, avant que la terre créée et le monde, bon Dieu s'arrête, bon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, donc son bon Dieu éternel. Son bon Dieu qui est antérieur au temps. Son bon Dieu qui est antérieur à question de création. C'est que la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que bon Dieu, ça, ils ont bon Dieu créateur. Et là, avant-temps, le psalmiste Moïse, pas seulement décrit, frères et sœurs bien-aimés, portrait d'un Dieu éternel. D'un Dieu qui se refuge nous, qui se appuie nous, qui se secoue nous, lorsque nous avons travail, lorsque nous avons douleur, lorsque nous avons la peine, lorsque nous avons chagrin, nous avons bon Dieu capable d'aider nous. Mais on décrit également le portrait de l'homme. Dans le verset 2, verset 3, la parole de Dieu dit, tu fais entrer les hommes de la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Verset 4. Car mille ans sont à des yeux comme le jour d'hier, quand il est bleu, et comme une veille de la nuit. Mille ans pour l'éternel, c'est un bon jour que l'il est. Mais il va dire dans le verset, en verset 6, il va dire, où emporter les hommes semblables à un songe. Donc, le verset, les versets 2, 3, 4, 5, 6, dis attention, la vie de l'homme sur la terre, si Dieu est éternel, mais la vie de l'homme est courte. La vie de l'homme est éphémère. Dieu est éternel, mais la vie de l'homme sur la terre est éphémère. Littéralement éphémère, la parole de Dieu dit, vie l'homme non, elle fleurit le matin, elle pousse, on la coupe le soir et elle sèche. Et à travers la parole de Dieu, dans plusieurs textes, la vie de l'homme comparée, mes frères et sœurs, à fleurs. Un petit cas de fleurs affanées. Un petit cas de, un petit moment, la vie de l'homme qu'a fané. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin qu'on ait ici-bas, quel que soit moyen financier, quelle que soit fortune qu'on gagne, quel que soit en grade ou gagne, quel que soit beauté ou, quel que soit bonté ou, mais ici-bas, pas en demeure permanente. Ici-bas,
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas une demeure permanente. En pile dans nous, soit Haïti ou au Canada, nous faisons un pile d'efforts pour nous gagner. Nous faisons un pile d'efforts pour nous gagner. Nous faisons un pile d'efforts pour nous gagner Haïti. Et en pile, nous faisons un pile d'efforts pour nous gagner ici. Nous prenons l'aune. Nous payons chaque mois. Nous travaillons dur. Il y a des gens qui prennent deux jobs au Canada, deux jobs aux États-Unis, deux jobs en France, pour qu'ils répondent avec la vie, et c'est normal, parce que bon Dieu m'a dit de mon travail. Il y a des gens qui travaillent là, je coule en nuit, et c'est normal, parce que le travail là, c'est Dieu qui crée le travail. Malgré tout effort qu'on a fait, mon besoin qu'on ait, frères et sœurs, mon droit de vivre là, c'est pas de me permanent. Victor Hugo, tu comprends ça, il dit, je sens déjà, la vie future. Je sens en moi déjà la vie future. Je me sens qu'on vit de demain. On est pour qui ça? Parce que demeure le monde, États-Unis, Canada, la France, Torsel. Côté monsieur, ça grandit. Côté le fait, dans la cour qu'elle grandit, et pas demeure permanente, lui. Et pas non plus demeure permanente, non. Dans 1 Corinthiens chapitre 29, la parole de Dieu dit, nous sommes des étrangers sur la terre. Et dans verset 19 là, nous sommes les étrangers sur la terre, mais la parole de Dieu dit, par un nous sommes étrangers sur la terre. Vous avez des discours sur Esther là, il était parlé de la mère du défunt, qui est étrangère sur la terre. Son papa, qui est étranger sur la terre. Nous avons grand-mère, monsieur, qui est étranger sur la terre. Nous avons grand-papa, monsieur, c'est étranger sur la terre. Il y a allé déjà. Parce que l'homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, les besoins qu'on ait demeurent, non. Le monde n'est pas demeure permanente, non. Et dans Psaume 103, le psalmiste David, il explique ça plus clairement dans le verset 15 et 16. Regarde ça, la parole de Dieu dit, il dit, verset 15, il dit, regardez, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Je reprends ce texte. L'homme, vous et moi, nos jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Côté demeure en Holmes, tantôt il était passé au Chili, il est passé au Mexique, il était Saint-Domingue, il était Haïti, il était Orlando, il est entré Boston, il vit New York. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, nous attendez, le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et ceci est tellement vrai comme une vérité incontestable et incontestée. Moi, ma voix a crié, je crie en pile pour Holmen. Parce que leur dit, Holmen sur l'hôpital. Moi, je recevais la nouvelle là, même moment, je courais l'hôpital qui nous a dit, je me regardais, je priais pour lui, je regardais, et puis je crié tout dans la route là. Moi, les cousins Neptune, je dis, ça te passe comme ça. Ça fait mal en pile. Donc, nous te remets vivre avec elle. Nous te remets sourire. Nous te remets gentillesse. Nous te remets bonté. Et c'était normal. Mais je vous dis une chose ce matin. Malgré l'amour pour Paul Menz, si à ce bloc 11h du soir, m'ta un visage comme ça m'a fini, m'a pas envie de courir. Vous connaissez parce que m'a dit, m'a pas à rapport encore. Je ne le reconnais plus. Donc, le lieu que M. Théo, pas connaît encore. Vous dites dans le sermon, le m'a prêché, moi-même, madame, je n'ai pas de fête en mariage. C'est sûr, moi-même, je n'ai pas vivre dans 20 l'année. Mais si je suis mort aujourd'hui, parce que je suis mort aujourd'hui, je suis mort demain, c'est la vie, parce que la vie de l'homme est éphémère. Même mon cap consolé, non. Si madame, si je mourir aujourd'hui, madame, moi, mais en pile, merci. La crier amèrement, et je le sais, ça. La crier. Mais elle t'a dormi, la chasse.
là on parle la faveur encore et donc on est nous-mêmes comme haïtiens ça qui est un élément culturel non donc frères et sœurs bien-aimés c'est pour vous dire que la vie de l'homme éphémère et frères et sœurs écoutez adolescence son étape en vie vieillesse son étape en vie enfance son étape en vie âge mûr son stade dans vie ou ka mourir dans adolescence ou ka mourir dans jeune âge ou ka mourir dans vieillesse ou ka mourir n'importe là donc c'est des étapes dans la vie ça fait partie de la vie donc la vie de l'homme sur terre est éphémère. Littéralement éphémère, tellement courte. Il rapporte une histoire. Il y a 116 moun dans l'avion pour le Guadeloupe. Il n'y a pas qu'on est frères et sœurs pendant qu'il y a pris le Guadeloupe. Il y a même arrivé Guadeloupe. Mais il n'y a pas qu'on est pris le temps. Il s'est rapporté 116 moun dans l'avion écrasé et tout le monde mourit dans un moment. Est-ce que nous rappelons un jeune artiste haïtien que nous connaissons tous, que nous tous connaissons? Mikaben. Nous rappelons ça? Un homme plein de talent. Donc la mort, même le grand talent, même le grand intellectuel, même le avisé, même le pas avisé, même le qu'on lit, même le pas qu'on lit, votre vie est éphémère. Quel que soit votre niveau d'étude, nous rappelons mon professeur, un brillant professeur dans l'UH là, les messieurs fait cours, messieurs dit, veste sous les capables, prends soin, tout étudiant dans la salle là. Salle 40, 50, 100 étudiants. Mais 12 janvier arrivé, malheureusement, monsieur mourit à Haïti. Et madame, monsieur dit, et monsieur Fink vient de vendre un livre en France avec un pile d'argent en même. Un pile d'argent en même, monsieur Fink vient de vendre un livre. L'argent! Mes frères et sœurs bien-aimés, monsieur mourit 12 janvier dans la Caribbean Market. Et madame, monsieur dit, mes amis, même bien comme, est-ce qu'on a pris un bar de compte pour moi? Mais malheureusement, la vie, monsieur, est finie. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie sur terre est éphémère. Et non seulement elle est éphémère, elle est également fragile. La vie de l'homme est éphémère, mais elle est fragile. C'est portrait sur la parole de Dieu, bah, nous. Maintenant, ça m'a verset 17 dans Psaume 103, même si la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Donc, toujours que portrait ça, il y a un Dieu éternel, il y a un Dieu qui est bon, il y a un Dieu qui est extraordinaire, il y a un Dieu qui nous pas gain mot pour nous décrire, mais la vie de l'homme est fragile et éphémère. Frères et sœurs bien-aimés, vie est tellement fragile, gain un monsieur yon là. Il dit la mort gen pour le visiter. Il dit la mort gen pour le visiter monsieur. Monsieur dit ah est-ce que c'est vrai la mort visiter? Monsieur dit bon pas un problème. Moi prend le marron pour la mort. Et puis monsieur dit pas le marron pour la mort, monsieur rentre dans room la caili. Je dis chérie, il dit la mort prend le visiter. On prend le marron pour la mort. Le lamor vini dit la mort moins pas là. Effectivement monsieur rentre dans room non. Monsieur l'homme a frappé porte là. Et puis il dit, ah, monsieur X par là, non? Et puis l'homme a dit, pas de problème, au revoir. Et puis histoire est rapportée, Léo découvre d'où non, et jeune monsieur mourit. Pas de côté, l'homme a pas qu'à prendre non. Pour qui ça? Parce que vie pam avec vous, c'est vie qui est éphémère. 40 ans, 50 ans, 60 ans, 37 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, vie l'homme éphémère. Mon connaît frères et sœurs bien-aimés matin, par rapport à deux principes ça yo, un Dieu est éternel, un Dieu qui éternel, qui vivant, qui vrai, et un Dieu qui est un refuge nous, qui est appui nous, l'un des problèmes, qui se secoue nous, l'un des difficultés. Lorsque nous entravons, lorsque nous battons, nous avons un Dieu qui a porté nos secours. Il y a un Dieu qui transcende avec circonstances. Mais il y a un deuxième bagage que nous avons, vie l'homme est éphémère. Mais par rapport à deux principes, ça, Dieu éternel, la vie éphémère de l'homme, nous sommes complètement responsables. Et ça, ça me semble dire dans le psaume 90. Il va faire deux prières. Il va dire Seigneur, aide-moi pour me compter jour mieux. Pour un cassage.
Donc, par rapport à problème, par rapport à deux éléments, ça yo, moi, m'avons besoin de compter jour nous yo. Compter jour nous yo, nous besoin racheter temps. Nous besoin racheter temps. Tout ce qu'on peut faire dans le temps, fait. Et on n'a pas besoin de faire dans le temps, ou besoin de chercher la face de Dieu. Ou besoin de la crainte de Dieu. Si on la matin pour recevoir l'évangile de grâce et de paix, c'est le meilleur moment de dire, ah, si la vie est si éphémère, la vie de l'homme est temporaire et notre Dieu est intemporel, notre Dieu est allé avant le temps, il est éternel. Bon, mais c'est penché vers le Dieu éternel parce que vie pas éphémère. Bon, mais c'est compter sur ce Dieu éternel parce que vie pas éphémère. C'est que ça nous dit, regardez, m'a demandé en grâce. M'a demandé en grâce. Grâce m'a demandé. Aidez-moi pour compter les jours mieux. Pour gagner sagesse. Et la crainte de l'éternel, c'est la sagesse. C'est mon capitaine des matins. Hein? Qui pour crainte de Dieu? C'est le moment opportun pour dire, faut me recevoir l'évangile de grâce et de paix, ça. Donc, le temps est court. Temps court en pile. Tant coup d'en pile. Son petit cadet, la vie nous finit. Son petit moment, la vie nous finit. Comme étranger, tant coûte. Tant coûte. Madame, personne moun l'annexe. Madame, personne moun l'annexe. M'bakabron l'autre douleur encore. Mais personne pas connaît qui l'est. Comme c'est prochain, la prochaine personne. Pas personne pas connaît. Même Holmens pas connaît ça. Et ça, comme la peine dans l'histoire Holmens, c'est parce que. Moi, recevoir une voice que t'ai écrit, t'ai voué par un ami. Les 10 amis, on compte ça qui passe? Une voice à me conserver. On dit qu'on ça qui passe? T'en coûte, ou que doit rentrer ou pas sortir, oui. Et puis, les 10 amis, on met bon Dieu dans la vie, non. Mon dernier message, on m'a dit qu'il était 2 jours avant de arriver à l'hôpital. 1 ou 2 jours. Les écrit un fidèle l'église à Samson. Les dit, regardez, ils vont voir. Ah, mon cher, j'aime la vie à difficile là. J'aime qu'il y ait un problème ça dans la vie. On ne doit pas trop sortir. Il dit, mettez bon Dieu dans la vie. Quel est le message que vous avez demandé au matin? Matin, frères et sœurs, bien-aimés, il faut mettre bon Dieu dans la vie davantage. Et dans le psaume 90, le verset 17, tellement la vie de l'homme est fragile sur la terre, Moïse aurait dit, Seigneur, affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Dans nos prières, une deuxième requête prière, une prière, prière matin. On apprend 2 ça seulement. Monsieur dit, 1, bonne sagesse, bonne crainte. Mais l'autre, ma parole au Seigneur, affermi ouvrage même. Travail que me fais, étude que me fais, parcours professionnel, mon Seigneur, affermi l'ouvrage de mes mains. Les études que j'ai réalisées, monsieur de fait l'électricité, etc. En plus, nous avons fait des études, nous faisons un pile effort. Pour nous là. Mais dis bon Dieu, matin, pour la fermer ou effort yo. Et bon Dieu capable. Faisons sûr, bien-aimé, dans l'occasion ça, qui si pénible, n'a pas rappelé 3 choses matin. La première chose que n'a pas rappelé, notre Dieu est éternel. Il est avant le temps. La deuxième chose, vie éphémère. La troisième chose, faut me penser à ça. Faut me penser à ça. M'pas qu'à vivre n'importe qui. M'pas qu'à agir n'importe qui. Parce que la vie de l'homme est éphémère. Imaginons-vous bien, mes frères et sœurs bien-aimés, pour construire car vous construire famille, vous faites pile, j'ai fort, et vous quittez tout. Vous quittez dette, richesse, moyen, tout. N'est-ce pas aller. Donc, si Dieu est éternel et la vie est éphémère, donc le temps et l'éternité, m'a postulé davantage matin hein, pour l'éternité. M'a engagé dans l'éternité. Parce que après le temps, il y a l'au-delà. Il y a l'au-delà. Donc, faut me préparer pour l'au-delà. Faut me préparer pour demain, si Dieu veut. Faut me préparer pour après-demain. Faut me préparer pour l'au-delà. Faut me préparer vivre pour l'au-delà. C'est bien pour nous manger sur la terre, pour nous travailler, pour etc. Mais faut me préparer pour l'au-delà. Matin, combien de monde qui est là? Qui t'a aimé préparer cœur pour au-delà. Parce que la vie de l'homme est fragile. La vie de l'homme est éphémère. 2 hypothèses dans le texte. Hein? Dieu est éternel. La vie de l'homme est éphémère. Mes frères et sœurs bien-aimés,
par rapport à deux thèses, deux principes, ou une responsabilité. Que vous soyez vaudouisant, ça m'est égal. Que vous soyez protestant, ça ne pas concerner nous. Que vous soyez catholique, musulman, et le problème là, moi, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race. Nous sommes un petit gars, mais petit, on y fait l'école primaire dans les années, dans longtemps. Nous, je dis, nous, tous les hommes sont égaux devant la mort. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux devant la mort. Nous, tout, il n'y a pas de question de classe, de race, de religion, de sexe. Femme mourir, garçon mourir. Matin, seul homme, il y a trois funérailles. Nous choisissons pas Olmensan, non seulement par rapport avec attachement viscéral comme la famille, mais nous avons programmé pour trois funérailles. Et nous avons été plongé dans les eaux du baptême, monsieur mourir à 76 ans. On se mourir à 37 ans. Et il y a une dame qui sont grand évangéliste dans Brooklyn. Non? Les gens fait marche, elle a débriché pour lui, dans la marche qu'elle a fait, elle mourir à 86 ans. Donc la vie de l'homme est éphémère. Votre vie est éphémère. Où on est qu'on évangéliste avant de mourir? Monsieur qu'on livre les livres là, Voyage du pèlerin. Et puis pendant monsieur prend mourir, et puis monsieur, on a crié, monsieur a crié, regardez, ne pleurez pas sur moi. Pas crier pour moi. Criez pour vous. Criez pour vous. Non, mais bon Dieu, consolez-vous. Bon Dieu, réconfortez-vous. Bon Dieu, encouragez-vous. Pendant qu'on pense avec demain si Dieu veut, on pense avec l'au-delà. Notre Dieu, il peut nous consoler. Il peut nous consoler. Il est capable d'aider nous. Mais pensez avec vous. Pensez avec vous. Je ne vais pas prêcher la religion matin. Je ne vais pas vivre, je ne me comme protestant. Non, protestant mourit. Catholique mourit. Vaudouisant mourit. Tout le monde a mouru. Tout le monde a mouru. N'importe quel moment. Mais ça important, le plus important, je dois me préparer pour l'éternité. Quelle religion qui dit c'est le samsara, c'est wa préincarné, ok. Mais l'essentiel c'est que nous besoin préparer nous pour l'éternité. Et bon Dieu voulait ça. Et nous avons demandé, dit bon Dieu, aide-moi bien craindre et affermi l'ouvrage de nos mains. Non, mais bon Dieu, affirme l'ouvrage, mais affirme tout ce qu'on fait au Canada, tout ce qu'on fait aux États-Unis, tout ce qu'on fait à Haïti. Bon Dieu, capable d'affirmer. Frères et sœurs bien-aimés, que bon Dieu, dans la grâce, dans la favelle, va consoler toute famille, toutes amies, pendant que nous avons pensé à la vie qui est éphémère, à bon Dieu qui est éternel, nous disons, bon, sagesse, par qui de me frapper l'histoire, mon humilité. Pas qu'il me frappe le smack, bonne sagesse, on crête, pas qu'il vole le smack, parce que après, ma lèvre, que tout bagaille net. Mais notre Dieu est encore, jamais son amour ne s'endort. Ça le promet, non, il est vrai pour jamais. Notre Dieu est fidèle, il est éternel, votre vie est éphémère. Craignez Dieu, servez le Seigneur, que Dieu vous soit en aide, qu'il vous console, qu'il vous réconforte. Quel soulage, quel sèche de l'eau dans Géo, quel sèche de l'eau dans Géo, quel sèche de l'eau dans tout le monde qui a crié, que bon Dieu console nous, que bon Dieu console nous, que l'encourage nous, que l'accompagne nous. Mon qui sorti tout partout, Boston, New Jersey, Canada, que bon Dieu a volé à tout que l'encourage nous, que le fort ferme en dépit de tout. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci, docteur Ricardo. La Bible, comme on dit, c'est un livre qui est psychologique, qui a aidé au grand mot, si il y a un grand remède. C'est la Bible, la parole de Dieu, qui rappelait nous matin pour nous bien compter jour nous, pour nous vivre, pour nous aller doucement dans la vie, pour nous vivre dans la sagesse, dans la moralité, pour nous vivre une à l'autre, parce que la vie écrit au crayon. Mais la mort l'efface. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Pour nous capables de terminer tout de suite après me finir chanter. Et M. Innocent Neptune
a passé pour les mots de remerciement. Et ensuite, pasteur Enoch Cadet, dans les mots de prière. Ensuite, bah, on est ici, comme tout bail, mot de bénédiction. Merci. Contemplez, je ne sais pas le jour, on a chanté avec moi à la gloire de Dieu. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais j'ai que joignant ma voix au cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais, mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Allons camper. Pour moi s'ouvre le ciel. De Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Amen. C'est une belle espérance. Et si vous n'avez pas gagné, qu'on n'est pas intelligent, vous avez besoin qu'on est à la fin, au soir de votre vie, vous avez un monde qui va le recevoir. Même si vous avez voyagé, vous avez un monde qui va le recevoir. Et si vous n'avez pas gagné, vous avez besoin de recevoir la vie ou future. Avec nous, Neptune, pour les propos de remerciement. Merci. Dans nos familles, madame, ni, famille innocent, famille plaisir, nous commençons bien par matin hein, pour nous remercier chaque grain de monde qui choisit Vinzi Olmens au dernier revoir. Dans nos familles, ça y est, nous disons beaucoup de merci pour la solidarité. Ça. Nous connaissons pas facile, surtout en Amérique du Nord. Donc, on dit le time is money. Donc, chaque monde qui est là, en plus de quitter l'activité personnelle, pour venir rendre Olmens son dernier hommage. Pour venir supporter la famille, dans un moment difficile ça, dans un moment douloureux ça. Tant pour nous constater,
Moun sorti dans plusieurs coins pour venir porter solidarité à famille innocent, à famille plaisir. Gen moun ki prend avion. Gen l'autre qui conduit en pile et temps pour arriver là matin. Gen qui prend bus à l'autre moyen de transport pour arriver matin. Gen qui pas présent physiquement mais qui baille tête au devant pour présent en virtuel dans l'équipe disponible pour ça. N'a dit merci en pile. Pour geste solidarité ça. On veut dire que nous reconnaissons. Famille Holmes reconnaissant. Et nous baissons en pile parler. Pour cela qui était présent et qui t'a accompagné Holmes dans des moments dans dernier moment lio. Tant que Cassandre avec Maril et famille Maril. Merci Pacifique. Nous reconnaissons. Grâce à nous, Holmes parti dans dignité. Holmes parti sous cabane l'hôpital. Pardon coin la rue. Pas sur route Nicaragua, pas en bas pont Brooklyn, mais parti sur cabane d'hôpital. Léo, Amion, on connaît c'était difficile parce que nous c'est le monde qui était présent dans le dernier moment. Dis-nous merci un peu pour courage nous, avec fidélité nous avec Holmes, nous pouvons que nous c'est famille. Et jusqu'à dernier soupir, pendant que tu es toujours au téléphone, on te dit, nous là jusqu'à ce qu'on me donne dernier souffle. Malheureusement, moi-même, tu es sur route, je ne vais pas arriver à jeûner. Je mourir quelques temps avant de arriver à boucler. Pour chaque monde, pour chaque famille qui t'a porté collé, qui t'a assisté, nous, qui t'a relé, nous, qui t'a baillé participation, un gros coup de merci. Encore une fois, nous reconnaissons. Nous reconnaissons pour geste solidarité. Nous reconnaissons pour parole, pour message, pour appel que nous recevons. Pour finir, je vous dis un merci spécial avec Célébrant, Pasteur Ricardo et tout le monde qui t'a accompagné pour le moment. Ça. Merci un peu. C'est un moment difficile un peu pour la famille. Et comme Carwell, parce que ça n'a pas gardé là, il n'y a pas comparé à ça qui a passé à Haïti, Kodia là. Il est un peu pour nous. Mais tant que parole là, dit, bon Dieu bail, bon Dieu prend, c'est pour nous bénir. Merci un peu. Tout fait ça. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni cri, ni deuil. Car les premières choses ont disparu. Ont été disparues. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons pour tout ce qu'on fait pour nous, cher Seigneur. Tu es capable de faire nous là. Cher Seigneur, nous levons famille ça qui est éprouvée. Cher Seigneur, et amis ça qui couché là, il n'y a pas qu'on a rien. Et même ces jours par là qui arrivent. Nous, chaque là, nous gagnons un jour pour nous quitter ça. Oh, aidez-nous capables, cher Seigneur, approcher plus près. Et cher Seigneur, parce que nous connaissons. Dans l'amour, cher Seigneur, tu viens mourir pour nous, pour être capable de sauver nous. Nous connaissons des gens là qui connaissent, qui acceptent comme si on est personnel. Ça, qui peut faire ça, cher Seigneur, on connaît cœur. Parce que la vie sur cette terre est éphémère. La vie éternelle là, elle est cachée dans Jésus-Christ. Et nous savons, cher Seigneur, il y a deux vies. La vie éternelle bienheureuse après notre mort. Et la vie éternelle malheureuse. Côté que monde qui pas servi ou yo, monde qui pas qui t'est vraiment nié parole ou existence. Côté que cher Seigneur, pral gen dégraissement dedans
dans la vie éternelle malheureuse. Oh, cher Seigneur, nous bénissons, oh, cher Seigneur, pour ça, qui est accepté comme sauveur personnel. Et que, cher Seigneur, en retour, cher Seigneur, si nous croyons en nous-mêmes, si nous mettons confiance nous dans nous-mêmes, cher Seigneur, au dernier jour, nous va réjouir avec vous dans la gloire éternelle et la félicité éternelle. Nous vous merci, nous vous merci, cher Seigneur, pour tout bagaille. Mais nous prenons le départ placé, cher Seigneur. Côté que nous prenons le déposer, oh cher Seigneur, au plaisir, au mlens. Cher Seigneur, dans la demeure. Et nous ne pouvons pas de monde qui a besoin encore. Moun pralé y a quitté le dans cimetière là, mais ou même ou avec li la côté li, cher Seigneur, avec nous comme ça nous prions dans nos Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire en l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci, allez en paix, que Dieu vous console, que Dieu vous guérisse, au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Nom c'est Timothée, moi c'est directeur Pamphile-Neble. Si n'a parlé, si n'a suivi Kobe à procession, n'a demandé tout le monde pour prendre un sticker. Si nous pas gagné un sticker, bagage qui est plus important, c'est flashers nous, your hazard lights. Good morning everybody. My name is Tim. I'm the funeral director. If you're following the procession, we ask that you would align your vehicles in the front, right? You can put a sticker in your car. Don't put that in front of where you're driving. Put that off to the right. And then put your hazard lights on. That way we would know who's following the procession. All right. This cemetery, if you're following, it's a little bit more difficult to get to. If you put it in your GPS, you'll see that there's no specific number. The best thing you can do is to follow the hearse and follow the limousine. We won't be running any red lights. We'll be driving at a moderate speed so everybody gets there safely. All right, if you have any questions, you can ask myself or the staff, but we want to make it there on time. So anybody who's parked in the parking lot, we ask that you get to your vehicles now and make your way to the front of the funeral home so we can make our way to Ernst Memorial Cemetery in New Jersey. All right, God bless you. Thank you. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, où les ondes
chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur.